Est-ce que vous aussi vous entendez le son de la mer? Meilleure blague de 2020. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis archi contente de vous faire et que vous étiez honnêtement vraiment nombreuses à attendre notre haul à l'endroit où c'est le maillot de bain. Chez Inside. Comme vous voulez. J'ai fait une commande du turfu. Il y a de tout, du côtelé, du non côtelé, du taille haute, du taille basse, du bandeau, du triangle, du motif, du uni. Il y a de tout pour tout le monde. On va découvrir ça ensemble. Sachez également que cette vidéo est en collaboration avec Shein qui m'ont tout simplement proposé de m'envoyer des produits pour faire une petite vidéo. Donc j'ai évidemment dit oui. Et ils m'ont fait part d'un petit code promo pour vous guys. C'est le code promo qui s'affiche juste ici. Et vous avez 15% des 49 euros d'achat. Et on passe tout de suite aux essayages. Alors, ouvrons ça tout de suite. Bon, les petites pochettes, elles se présentent comme ceci. Vous pouvez bien évidemment les réutiliser si vous le souhaitez. Bas de maillot comme ceci, tout simple, noir. Et le haut, comme vous avez dû le voir sur la chair Emrata, c'est ce genre de maillot-là qui est hyper tendance en ce moment. Écoutez, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne tout de suite, ce que ça rend sur les petites poitrines, parce que j'ai pas une très grosse poitrine, tu vois. Tadam! Écoutez guys, j'adore ce maillot, j'en suis totalement fan. En bas c'est ajustable, à ce niveau là vous pouvez ajuster. Derrière c'est pareil, vous pouvez ajuster au niveau des fesses. Il est très confortable, il est assez épais, je l'ai pris en taille S. Et franchement, trop mimes quoi. Mais c'est vrai que si vous déjà de base, si vous avez une très grosse poitrine, ce sera peut-être plus compliqué. Après vous me direz, Emrata elle a des seins énormes, hein, qu'on se le dise. C'est sûr que je vais porter ce maillot cet été. Let's go pour la suite guys. Alors, oh. J'ai essayé, comme je vous ai dit, de prendre des motifs un petit peu colorés, que ce soit un petit peu plus original que du uni à vous présenter. Ce petit maillot avec des petites fraises. C'est mignon, les petites fraises. Donc écoutez les gars, je vais aller passer ça tout de suite. Tout pris, je vous le dis dès le début, j'ai tout pris en S. Tadam ! J'aime un peu moins. Le haut n'est pas très flatteur pour la poitrine en réalité. Derrière, vous pouvez pas l'ajuster, mais alors au niveau de la taille, c'est parfait. Et au niveau des bretelles qui sont ici, en fait, ça se règle avec le petit nœud qui est là. Je sais pas si c'est la couleur qui me dérange, mais je pense pas parce qu'honnêtement, le bas, je le trouve très mignon. Pas fou. Next ! On va passer sur une petite couleur unie, qu'en pensez-vous? C'est un petit maillot vraiment rouge, côtelé, vous voyez, très mignon avec le bas comme ça. Je vais aller essayer ça tout de suite. Hey! Au niveau du bas, la taille, elle est juste parfaite. Honnêtement, c'est vraiment genre nickel. Par contre, le haut, les amis, c'est extrêmement décolleté. Genre, mon téton, je pense qu'il est ici, genre à la limite. C'est pas dingue, franchement, vous voyez ici, il y a pas mal de plis. Je pense honnêtement que c'est ma taille, c'est juste mal coupé. Je sais pas si je me verrais franchement mettre ça pour aller à la mer, parce que quand même... Bon, tu me diras, la mer, il y en a, elles sont topless, mais... Je suis un peu déçue parce que je le trouve très beau. Passons au prochain maillot. Je suis partie sur un petit tie and dye. J'ai pris un petit maillot tout simple, triangle, comme ceci, avec le bas comme ça, ajustable. On a même le petit chouchou, comme ça. Genre, je trouve ça, c'est grave sympa, tu vois. Let's go essayer. Alors, je le trouve très sympa. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Au niveau du haut, c'est un petit bikini que vous pouvez aussi ajuster ici. Je trouve que la couleur, elle est très sympa pour l'été. Au niveau du bas, c'est exactement le même que le noir que je vous ai montré en tout début de vidéo. Si vous aimez le tie and dye, je vous dis, foncez sur ce maillot. Alors, petit maillot blanc côtelé. Et là, pour le coup, il est très épais. Genre, vous pouvez constater que c'est vraiment un maillot épais. Culotte comme ça qui est vachement montante. Ça fait plus maillot, en fait, pour prendre des photos Insta, honnêtement. Que pour aller à la mer, parce que ça, mon pote, quand ça doit sécher, vu l'épaisseur, je pense qu'on a pour un moment. Oh là là, guys, franchement, j'adore. Je trouve que ça fait plus sous-vêtements, un petit peu style skims, tout ça, que maillot de bain, pour être honnête. Si, ça fait maillot de bain, mais ça fait un peu maillot de bain. Genre, vous voyez, vous allez en club de plage, voilà. Il fait très quali. La coupe, elle est très sympa. Je trouve qu'au niveau des fesses, c'est un petit peu moins flatteur que les autres maillots. Pour le prix, ça fait quand même maillot quali. Et si marquer un peu le coup, avoir un maillot un peu chic et tout, franchement, il est très très beau. Passons au prochain maillot. Alors, on part sur de la couleur. Ce maillot, je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Tout simplement parce que j'ai une robe Zara. Si vous me suivez, vous avez dû la voir,
qui est exactement pareil au niveau des motifs. Et je la trouve super belle, donc je me suis dit, bah écoute, prends le maillot. On a un petit bikini comme ceci. Au niveau du haut, c'est comme ceci. Je sais pas en fait comment ça s'attache. Je vois que c'est comme ça, vous voyez. Écoute, on va être très vite. Alors on fait tourner les serviettes. Tadam! Je le trouve franchement très joli. Regardez au niveau du haut. Pour la poitrine, honnêtement, celui-ci, vous voyez, par rapport au rouge que j'ai essayé, il est quand même beaucoup mieux. Derrière, regardez, c'est comme ceci. Un vrai bikini, là, les gars. Vraiment très, très mini. Je le rentre même un peu dans les fesses, parce que sinon, j'ai pas assez d'espace devant, genre. Disons qu'il faut être bien épilé, hein, on va dire ça comme ça. Je voulais un petit maillot un peu léopard, parce que je trouve que c'est vachement à la mode en ce moment. Et j'en ai vu un que je trouvais très mince. Au niveau du bas, il est comme ceci. Le haut, il est comme ceci. Et vous resserrez derrière. Honnêtement, je trouve que les motifs, ils sont archi canons. Donc écoutez, je vais l'essayer tout de suite et j'ai trop hâte. Honnêtement, il fait partie de mes coups de cœur. Je le trouve très beau. Vraiment, je l'aime beaucoup. Quand t'es un peu bronzé, c'est des couleurs qui sont très jolies à porter. Au niveau de la culotte, il est nickel. Il me va très très bien. Donc, franchement, rien à dire. Je trouve qu'en plus, il met quand même la poitrine en valeur. Derrière, c'est comme ceci. Il est hyper confortable. On n'a pas peur qu'il y ait un truc qui dépasse, un sein qui sort. Là, on sait qu'on y va. À la plage, on est tranquille. Prochain article. Putain, la culotte elle est très très grosse dedans. Il s'agit d'un maillot taille haute comme ceci en bleu et noir. Vous avez un genre de décalage parce que là vous voyez c'est une bretelle un peu épaisse. Ici c'est quelque chose de plus fin. Premier abord là tout de suite je trouve que ça fait un peu maillot de piscine mais écoutez on va essayer, je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Nouveau semi coup de cœur. Le haut, je le trouve juste incroyable. J'adore, vraiment rien à dire. Le bas, vous voyez, c'est une culotte assez haute. Elle est pas très bien ajustée. Donc le bas est pas très flatteur, franchement. Ce haut, je le mettrais par exemple avec le bas de maillot noir, tout simple. Donc voilà, voilà, les amis. Et nous arrivons à la dernière pièce de ce haul. Regardez, c'est mignon. D'un maillot comme ça, assez taille haute également, avec des petits crocodiles, c'est trop chou. Forme bandeau, mais vraiment le vrai bandeau quoi. J'en ai pas essayé encore des bandeaux. J'ai peur que la culotte ça fasse la même chose que sur celle que j'ai là. Bon, écoutez, on va essayer et on va voir ça tout de suite. Bon, guys, il ne va pas très bien. Pareil, la culotte elle est un peu trop grande. C'est mignon, mais je le trouve pareil, un petit peu grand. Pour ma poitrine, ça couvre quand même beaucoup d'espace. Maillot, je pense sincèrement que je le mettrai pas. Les gars, je viens de capter que j'avais fait tomber un petit maillot par terre. Écoutez, je vais vous présenter le dernier maillot puisque j'avais totalement tout éteint. Il s'agit d'un petit maillot blanc cassé, côtelé, petit haut comme ceci. Très très mignon, derrière resserré comme ça. Donc écoutez, je vais l'essayer tout de suite. J'aime beaucoup ce petit maillot, il est très très sympa, il est très chic. Blanc cassé, la culotte elle me va encore une fois très bien. Vraiment nickel. Et au niveau du haut, il est très très mignon. C'est resserré comme ça. Non, vraiment, j'aime beaucoup ce maillot. Et tant qu'à faire, j'avais déjà commandé sur un précédent haul un autre maillot Shein. Donc pour les personnes qui ne l'auront pas vu, bah, je vais vous le présenter ici. Comme ça, au moins, ce sera fait. Surtout que je l'adore. Maillot classique noir en fait qui vient faire des tours sur votre ventre. Avec le bas un peu bikini comme ça. En plus, celui-là, on n'en a pas vu des comme ça. Donc écoutez, comme ça, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Ah, quelle beauté ce maillot. Ah, franchement, j'adore. Depuis le début de l'été, je crois que j'aime que celui-là. Il est vraiment super. Attends, je vais accrocher. Derrière, du coup, c'est comme ceci. Il est échancré un peu, mais vraiment, je l'adore. Il est magnifique ce maillot. Et en plus, il est confortable. Pas de tété qui sort. Donc écoutez, guys, nous allons faire un petit débrief à présent de tout ce que nous avons vu ensemble. Parmi mes coups de cœur et mes flops, le maillot noir du départ que j'ai trouvé très sympa, très stylé, très tendance, honnêtement on adore. Le maillot blanc un peu épais, côtelé que j'ai trouvé très 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 sympa, très chic. Et j'ai également le maillot léopard qui est très très mignon, franchement je suis certaine que je vais le mettre. Ça c'est pour mes coups de cœur. Après j'en ai eu que j'ai aimé également, style le bleu, tie and dye. Pour les petits flops, je dirais que dedans du coup j'ai le maillot rouge qui pour moi est trop échancré devant. Bah celui que je porte là, donc vraiment pour moi ça c'est un flop. Avec les fraises, pas ouf. Comment vous dire que franchement j'ai trop kiffé faire ce petit haul. Et puis bon, ça m'a, je vous avoue que voilà, ça m'a un peu revu en maillot pour cet été. J'espère de tout cœur que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos dans les coms. Et dites-moi aussi quel maillot vous avez kiffé le plus. Je vous invite enfin à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous !